has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial. It is a festering abomination. Corruption has soaked the soil, sapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. Paths and roads bring soldiers and supplies. Let them arrive unharried. Despite its morbid aspect, this twisted, cavernous maze seems almost traversable. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. Alone in the woods or tunnels, survival is the same. Prepare, persist, and overcome. Another abomination, cleansed from our lands. Death waits for the slightest lapse in concentration. In truth, I cannot tell how much time has passed since I sent that letter. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now. And you are bound to them. I beg you, deliver our family from the ravenous, clutching shadow of the darkest dungeon. Found a bomb. You must defend it. Frank, take cover! Stay close to me. I'll cover you. So begins the Exodus beneath the opal eye of destiny. Giftha, watch over the fleet of the brave. Grant them mercy and support. At the whim of the winds and the tattered sprays of foam, we float on the tumultuous tresses of Aegir's daughters. Treacherous mermaids who whisper their flatteries and lead us straight into the grasp of the tempest, which Aegir, father of the waters, wields in his wrath. Our quest continues.
continues, snaking through rocks whose summits lay hidden in the clouds. When will the loss of men and reason cease in the face of this watery labyrinth? Are we alone in the face of destiny, guided by the tortured souls of our brothers? But it seems we give in too hastily to despair. Land of the head! Where are our brothers who disappeared without trace so many solstices ago? The answer lies there ahead of us.
In this land, kingdoms are numerous, beautiful, and dangerous. Your village is under attack. You're an enchanter. Defend the village from hordes of monsters. Create and use magical artifacts to defeat them. The best enchanter will become a hero. To set up the game, simply choose 3 or 4 kingdom decks depending on the number of players, and shuffle them together to create the adventure deck. Then draw 6 cards to populate the journey track. Choose a village, taking note of its special rules, then choose an overlord. And now you're ready to play. On your turn, spend your crystals to get items or enchantments, or to fight monsters. If your attack strength is equal to or higher than the monster's health, you defeat it and place it in your trophy pile. But if the monster's strength is higher than your defense, you'll take wounds even if you defeated it. The enchanter with the most glory points at the end wins the game. Explore the Eastern Kingdoms with the new expansion, East Quest. It was long ago that the dragons ruled. Their king, Volkar, was intent on the world's destruction. The World Spear put an end to his reign. Now, we face another evil. Our quest to wipe her from our lands is at the heart of our companionship.
you once more and destroy you. Hello, hi everyone, welcome to this What's Up Wednesday live, Leo live. Very, very happy to see you. And we're back to a more normal and traditional format. So that means we're gonna first talk in English. So let me just fix this out here. Okay, guys, can you hear me now? Is the sound back? I mean, Louis here to help, so he should have fixed that. No sound anymore? Just waiting. We lost sound when you adjusted. Oh, maybe I just touched something?
Good evening, Pascal. Oh, depuis que j'ai tripoté un truc sur le côté, did I really touch something and unplug? Yes, it's back. Oh, good, good, good. Happy. Thank you, Louis. So, okay, I'm back. And today we are going to have a What's Up Wednesday. Maybe for some of you, you don't know what it is, the weekly live. So maybe we have some new guys from Anastir who are following us, me and Sam on the newscast and the lives. So today we're going to do a more traditional one. That means we're back to the normal time. We will first do it in English. See, English, American, same language. And then we'll do it in French in the second part. So what we're going to do is talk about the different games. And you can ask questions. Of course, we're going to talk about Anastir, which just finished last week. It was a wonderful campaign, a wonderful finish. A lot of people, a lot of viewers for the live. And I want to thank you all for being live with us for the final rush. We made it over $1 million. So that was very, very exciting. So thank you so much for that. We just posted an update on Anastir. We just posted an update on what was that? On Solomon Kane. And I'm going to post an update on Joan of Arc right after this live. But I can tell you what it's all about. So let's see who we have. We have Matt. Hi, Matt. We have Sam. Hello, Sam. We have Werzezet, Alexandre Agonetti, Primus Magicus, Halil Altinbas, Rick, Kevin Dumont, Tony, Tim Carter, hello, Squalor X, Pascal Cauchy, Real Senada. Yes, I'm having a great day. Thank you very much, Real Senada. traditional means an ending at 11 p.m. No. We're going to have a shorter one tonight. What a finale. I agree, Kevin. That was a wonderful finale. I mean, really, we were not even sure we would reach $1 million, and we did. We even surpassed that. So that was a great finish, a great finale. Thank you very much for your amazing support. That was great. This campaign was a blast. I took 2 days off, well, Saturday and Sunday, you know, that was my 2 days off. You know, it was great to relax with family and go to Trouville. Trouville is in Normandy. It was a wonderful weekend. And so I'm very, very happy to be back with you. It's very hot in Paris. I don't know if it's hot in the rest of the world, but yes, we had a great, great day to day. Okay. So, let me start with Anastir, you know, and then I will switch to different games. The three updates that we were supposed to post. Again, I didn't post the one on Joan of Arc, but I will right after this live. Okay. So Matt will not stay for long. So thank you for being here. You need to leave in 5 minutes. That's all right. Thank you for being here. Thank you. Oh, Sam says he wants to visit Normandy so bad. Honestly, because you talk about that, Sam, honestly, Normandy is a wonderful place. Honestly, people are so laid back over there. It's relaxing. It's the weather was great. I mean, the weather constantly changes over in Normandy. So you can see, you know, Trouville. I don't know if you've heard of Trouville. It's not that far from where, you know, the Second World War beaches were. But it's nice. You have like these big sand beaches. You have plenty of things for family. It's very relaxing. The food is great. The people are just so relaxed, not like Paris where everybody is stressed. It was very, very cool. Loved it. Okay, so what? Normandy is just green hills, very pleasant, but the seaside is nice. Oh, yes, seaside. I was near the sea. That was just wonderful. Whole city, Trouville, whole city, yes.
Okay, Primus Magicus. The expansion for Anasis have way less outskills than the base games are more unlocked in the Pledge Manager. Well, we unlocked some outskilled for the expansions. I don't know yet whether we should propose these outskilled in the Pledge Manager or simply not have them. I don't believe we should sell alt minis on top of the Pledge Manager. What I can tell you is that we will announce the date, the opening date of the Pledge Manager next week for Anastir. And I will give you more details on what to expect for the Pledge Manager. Oh, Tim Carter would love to see Normandy as well. Again, I had a wonderful time. It was very relaxing and I will go back. I've always loved Normandy. I've been to Rouen, but I had never been to Trouville or Deauville. And it's really, really great. It's you guys should try. Viking community and mini Viking camp. Absolutely, Alexandre Dragonetti. There are, of course, there's a Viking community over there. Normandy means Normand, man of the north. So yes, of course, we had lots of Vikings over there. Have you decided on any Anastir extra that you want to spoil us that are coming to the Pledge Manager? I will spoil you next week, guys, okay? What I want to tell you now for Anastir is that, you know, we wanted to share with you the Anastir, how you call it, the tabletop simulator, right? So we wanted to share with you the tabletop simulator for Anastir so that you guys could start playing. But the one we had was a homemade tabletop simulator. So we couldn't share it publicly. Now, we wanted to start sharing it with you next week. However, our team worked hard yesterday and today, so we can already start sharing you a first TTS module. And next week we will provide a more updated one. So now, if you read the update, the Anastir update, you will have a link to the tabletop simulator for Anastir and you can start playing the game online. How cool is that? Sam, that's it. I'm going. I wanted to go for World War II historical reasons, but a Viking village seals the deal. Yes, Sam, you're going to love Normandy. I can guarantee you, you're going to love Normandy. It's just a wonderful, wonderful place. replacement mini for Salmon Game has arrived and it's really nice. Thanks, guy. Thank you, Dimitri. I'm very, very happy that you guys got it. I'm going to talk about Salmon Game and this replacement again because I have some announcement for Salmon Game, but let me first finish with Anastir. So if you want to play Anastir on the tabletop simulator module, just look at the update, click on the link, and you can play online. Of course, you need the rules. You need to know the rules. It's a TTS. It's not like an automatic game where everything is implemented like Board Game Arena. No, you need to know the rules, but everything is there. It's very playable. We've used it internally. We've played with this module and it worked. And now we share that to you. Oh, Tarkin90 has subscribed and Tarkin90 has subscribed and will be the first to receive the light. Tarkin90, welcome. You are in a good place. Okay. Yes, you need Tabletop Simulator to enjoy this. Yes, you need to have Tabletop Simulator on Steam to enjoy the module. Of course, yes. Leo, Pourrières is a good place to relax, especially during the next Mythic Day. Yes, I agree, Squall RX. I know Pourrières is a very,
It's a great place as well. It's in the south. The weather is beautiful. The church, the abbey that we could see is beautiful and gorgeous and from the 15th century or something. Yes, yes, it's a wonderful place. They're so great places to relax and yes. Bonsoir Zephyro 63. okay, so another cool thing. We wanted, you know, during the Anastir campaign, we wanted to share lots of articles. We couldn't finish all of them. We wanted also to play a boss game, a boss session. Guess what? Today, the developers team played with laid out material. They played a boss game. So we know and we can announce that we're gonna play a live game with the boss, featuring a boss, a live game of Anastir on the 25th of May. That will be a Wednesday during one of my live, and I will do it simultaneously in French and in English, just like with the guests that I had during one live. You had Nyx and Mark. I hope Nyx can come back. I'm sure he will. I will ask him. And if he does, he will be our guest for sure. And Mark will be here. Both of them speak English and French. And so we will try to play this game mostly in English. And we will also give some translations to those who do not speak English and would like to follow this game. So this is what we'll do on Wednesday, 25th of May, a game of Anastir with the boss. So this will be very exciting, because you will get to play and see this guy, this boss. And because we don't want, yeah, so I hope it will. Yeah. And because we don't want to spoil you too much, I'm not sure if we'll go to the very last part of this game so you're not spoiled when you play it. Because, you know, it's a boss, so you will see how it works. And maybe we'll stop right before the end and finish the three of us off camera. Maybe so we don't spoil you. I hope you understand that there are some surprises in the story. And we don't know whether, so we'll find a way not to spoil you too much. Let me show you how this looks. Yeah. Yeah. Let me put this as good as I can. Yeah. Here you have two bosses, actually. You have Anastir and you have the boss that we will fight on camera on the 25th. Call him in the Tulkas. Yes, we were early today. Oh, that's great, Sam, to explain to people that yes, they need to buy Tabletop Simulator, but once you do pay for that, then you have access to many, many other games for free, including Anastir. That's a very good point, Sam, and thank you for telling them. All right, so I think that's it for Anastir. I'm really gonna try to be faster for tonight's live, to make it until 9:15. We'll see if I can make that. So guys, do you have any other questions regarding Anastir, or should I move on to
I think I will move on to Joan of Arc because I didn't post that before the end of this live, and I'm going to post it right after this live. All right. So if we're good with Anastir, and you have heard that next week we will tell you exactly when we open the Pledge Manager and where. We will spoil you a little bit on what to expect on the Pledge Manager. And I also wanted to tell you that Anastir is available on Tabletop Simulator now. We provided you with the link in the latest update that we just posted. And finally, that we will be having a playthrough game of Anastir with involving the boss. So you'll get to see how the game plays with boss. So that was the major things that we wanted to say. And if you're good with that, now let's move on to Joan of Arc. So let me read the update that wasn't posted. So we first have a great announcement for Brazilian backers, okay? Brazilian backers have been waiting for a long time to receive Joan of Arc, and they still haven't. And they were asking, how is it? Are you still with Galapagos and so on? I have the answer to that. So, Meeple Logistics and Galapagos have completed the paperwork, the tedious paperwork to proceed to get your pledges to you guys. It's done. This is great news. So Brazilian backers, you should know that now you are going to receive Joan of Arc 1.5 and it will be filled out. It will be sent out to you. All the paperwork has been done. We know it's very difficult and problematic in Brazil, but you should be receiving this next week. How cool is that? So this is an important, and I'm very, very happy for the Brazilian backers. La version française arrivera dans une demi-heure à peu près. Dans une demi-heure, à 20h15, on passe en français. All right, so in 30 minutes, we'll switch to French. That was what I was telling. So, and then for Joan of Arc, people were expecting a few things. First of all, battle mode. So battle mode, we are almost there. The last thing we were waiting for was a new map to play with the Teutonic Knight expansion. And then we need maybe the team on Joan of Arc 1.5 will need another 2 days to finalize the last layout of this last thing we're waiting for. So I was telling you, maybe I would give you some details maybe this week, but probably next week you should have battle mode. And I know a lot of you guys have been expecting that. We told you why it's been delayed for a tragedy that happened, and I mentioned that, but now we are almost there and very, very happy to be able to finally share with you this file that you guys have been waiting for a long time, the updated version of the battle mode, including the new lists, the new miniatures, the new forces of evil, the new forces of holy, of good, the new Teutonic Lithuanians and Polish armies, everything will be there, and that's it. And regarding the replacement and missing components, we are almost there. We had some important discussions with the factory, and you know, it's tough at the moment. Prices are so incredibly high, and we will communicate on this probably next week. All right, that's it. So this is what I needed to tell you regarding Joan of Arc. Do you have any other questions, guys? Mais de rien. Please explain what is this battle mode for Joan of Arc. Okay, Zalkarin, that's a good question. So when you play Joan of Arc or Joan of Arc 1.5,
you can play scenarios. When you play scenarios, the scenarios will tell you which units to take, what are the victory conditions, what are the special rules, which tiles you should take. You set up the game and you play, right? Now, if you want to play battle mode is a free mode. You can select different armies, and you, well, it's a bit like when you play like those tabletop games where you create an army. You have an army list, and based on this army list, you build your forces. So that's exactly the same thing. Here, you will have different armies. Could it be the English, the French, beginning of the Hundred Years' War, end of the Hundred Years' War? Then you have the forces of good, the forces of evil. You have plenty of different lists of armies. You choose your army. Your opponent chooses another army. You decide to play on a special map. And then you choose, or you choose at random, or you decide for a specific kind of battles. Could it be you need to control something, or it's just destroy the enemy, things like that, and you play. It's not like scenarios, thematic scenarios. It's more like a full battle on your tabletop. That's what the battle mode is. And this is what we provided. Bonsoir, Rémi Gaudry-Bourgeois. Hi, Geek Magazine. Welcome. We will switch to French very, very soon. Can we get a small update on Monster Apocalypse? You will have an update soon. Yes, I can do that. I can say whatever I said before. So, Monster Apocalypse, small update. Monster Apocalypse, we have great news because the layout is completely finished with everything in English. And now we're going to switch to French. But we are ready with the English. Everything is ready. What we need to do now is the French version. And so this is why we're not sharing with you the documents, the PDFs, but we will. And, you know, we were thinking, should we share them or not? And I believe we should share that with you once they're ready. And we will probably share these links as soon as the French version is ready. So this is what I could tell you. We've updated the lists and all the rules with the latest iterations from Privateer Press, with whom we are in contact, and so it will be the very last version of the rules that you'll get to play with. You know, I know that recently, like a month ago, they released an updated versions of the rules and profiles, and we have updated everything with this very last version. So you guys will get the very, very last version of the game once we post it. You're very welcome, Gian Holland. Happy to help. You know, this is alive, and because this is alive, I can also adapt to your questions and so thing. I want all your games, enjoying Super Fantasy Brawl with my wife so much. Yes, well, Super Fantasy Brawl, we're very, very happy with the response. You know, Super Fantasy Brawl. Okay, so because we're talking about Super Fantasy Brawl, let's finish with Monster Apocalypse. Let's have a brief a brief discussion about Super Fantasy Brawl. Super Fantasy Brawl is doing very well in the stores where it's been sold. It's top two in some stores that we've received. So we've received excellent feedback, like the stores who have received it are sold out. So this is great for Super Fantasy Brawl. And that gives us some ideas to us. And very soon, hopefully, we'll have some interesting news to tell you with Super Fantasy Brawl. Bonsoir, Samuel Benoit. Okay. Il continuera pas sur Monster Apocalypse, mais il laisse son dollar pour le soutien. Ça te permettra de réfléchir. De toute façon, on peut pas tout prendre. Il y a aucun souci. J'espère que tu nous suivras sur Anastir, parce que
Franchement, ça vaut le coup. Non. En français, vers 20h15 maximum, on passe en français. Any chances you can give us an update on CyberCan's size increase or maybe a posted update showing a side by side with the current smaller one as well as TerraCan? This is a good question, Rick. The comm team needs to know that. So that I don't forget, I don't know if Sam is still here. If by chance Sam is still here, and I'll see if he writes a comment. Please, Sam, just note what Rick just said so that we think and we work on giving them some updates on specifically what he said, CyberCan and TerraCan. Oh, do you know approximately when you release the next medieval game who must replace Joan of Arc? Is it the end of this year or beginning of the next year? Probably the end of this year. Oh, Sam is writing. Thank you, Sam. J'ai pensé à Anastir, je ne voulais pas passer à côté. Tu as bien fait, Samuel. Je pense que tu as fait un bon choix. Anastir, c'est un jeu incroyable. Quant à Monster Apocalypse, garde un pledge et puis tu verras comment ça se passe. Peut-être que quand on le livrera, tu pourras peut-être l'acheter à ce moment-là. Il sera un peu plus cher, mais il faut gérer son budget. Et je sais que c'est difficile pour tout le monde en ce moment. Donc voilà, moi, je pense que Anastir, c'est un jeu vraiment très original qui se sortira facilement. Voilà, de toute façon, screenshot it. Thank you very much, Sam. That's perfect. And please send it, send the screenshot to me and to Chaz. And then so we can just talk all of us about it and plan for next week. Thank you very much, Sam. All right. Super Fantasy Brawl. Well, this is what I wanted to tell you. I hope to tease you guys about some exciting news. Maybe next week, maybe in the upcoming weeks, but yes. Perfect. Thank you, Sam, to the project manager. Okay, great. So, yeah, maybe soon. I also wanted to tell you something about Solomon Kane. So, for Solomon Kane, we just posted an update today for Solomon Kane. We forgot to tell you an important piece of information, a technical piece of information. A lot of people have received the new Marilyn miniatures, and people love her. Now the details are crispy, the face is great, and people are very happy. What we forgot to mention for the non-US backers is that if you changed your address, if you've changed your address since you received Wave 2, you need to contact Meeple Logistics so that they make the necessary change and you can receive the Marilyn replacement miniature. We forgot to mention that, so hopefully you can do that. Bonsoir, Octavius. so that's it. And then regarding Solomon Kane, as I mentioned, maybe now that Anastir is finished, we are going to focus on Solomon Kane again, and we will communicate very, very soon on a special opportunity for you guys to go on Solomon Kane again, you know. So it's a bit early to tell you, but we have some great idea, and I will let you know very, very soon. Now that you release Anastir, are you going to remake Paolo Parente's Dust 1947 like you did for Monster Apocalypse? They're a very good question. Thank you, Samuel Benoit. He enjoyed Marilyn. He received her, and he was the one who noticed first that there was a problem with her face, and I'm very, very happy that we could deal with this, and now you guys received her, and that's a replacement. We want quality to be there. So to answer your question, Steady, no, we are not going to do the dust.
IP, unfortunately, because it's already been signed with another publisher. So we can't reveal, we don't know who it is, but you will get to see, and hopefully there will be some new games on the Dust 1947, hopefully soon. Bonsoir Thomas Pesquet. More and more people are coming. I mean, we beat records last time during the finale. We're not that many. We're 67 right now for the English version. And hopefully we'll be more when we switch to the French version, which should be around 8:15. So in about 20 minutes from now, we'll switch to French. And I will finish earlier, right? I want to finish around 9:15, so 1 hour max for the French version. Of course, I know if you ask plenty of questions, I will answer them. okay, that was for Solomon Kane. I think we're good. Any update on Hell? I don't have any more. Let me just talk a little bit about Hell. I don't have any more recent updates than the one that we posted with the last file and everything. What I can tell you is that the final external playtests are still happening. It's taking a lot of time for us to prepare to coordinate this, because it's a lot of team, it's a lot of feedback, it's a lot of work, but the feedback is exceptional. It's probably the best feedback we've ever had for one of our games. So, I mean, and the playtesters are from all different backgrounds. They are very, very representative of the difference in gamers that you have, and they all love it. So it's very, very, very promising. This is what I can tell you. It's just, also an interesting thing. Mark, you know, that who told you was the first, he was the first group to playtest Hell. He looked, he saw the updated versions of the scenarios that he already played after they had gone through different external playtests. And he said, oh wow, I didn't see any of the problems, the issues that I had. It's great, guys. So he was very, very confident that the final product would be really, really, really cool, without typos, without errors, without things that you might question. We know you've been waiting for a long time, and we really want to make it as perfect as we can. And this is why we're taking our time. This is what I can tell you, you know. I don't know if you have any other questions. When can we see more? How about the playthrough? That's a good question. We are going to show you a playthrough video. We definitely are. Yes, we definitely are planning on doing this. And we know you've been waiting for a long time. We did one in French. We need to do one in English, and we will. Very impressed with the mini quality. I show my wargaming butts. Nice, solid sculpts. Excited for the mythic future. Thank you, Glenn Holland. I like the chunkiness of Super Fantasy Brawl. Thank you, Glenn, too, for that. Will Hell be delivered before Anastir PM closes? No, we're not going to leave Anastir Pledge Manager open for too long. We'll let it long enough, but not as long as we used to. We want to make some changes and leave the Pledge Manager open a long time, significant time, but we realize that now that things are changing and people need to understand that there is time for everything, and if we leave the Pledge Manager open for too long, there's a risk that people, when a new Kickstarter campaign arrives, says, well, I don't care, I have many months
on the pledge manager, and I will have pretty much everything. So I might as well wait. So this is why we're trying to find the best way to sell our games on Kickstarter during the late pledge and pledge manager, long enough but not too long, and then as we deliver it at a higher price after backers have received it on our webshop, on our eShop. This is how we want to do. Well, that's saying a lot considering you got some really good games. Thank you, Justin. Yes, that's saying a lot, and thank you for saying that. I still cross fingers for Red Sonja, SquallRX. A reprint for Solomon Kane on Kickstarter, good vibes. Teddy, this is a good idea. I didn't want to mention too early what the plans were for Solomon Kane, but it's along something like that, you know. Now that it's Anastir is gone, we want to focus on Solomon Kane and provide you with a great surprise. I will tell you soon. I can't wait for Anastir's art book, Franck Boyer. This is a great idea. This is a great, and a lot of people are asking for that. I believe this is something we should have on the Anastir pledge manager. Okay, well, you know what? Guys, open questions now. And if you don't have any more questions in English, we will already switch to French. Shorter updates at times, shorter lives at times. I'm going to try and be back to 7 p.m. and finish around 9 p.m. so that I can enjoy my evening with my friends and just play after that. And oh, yes, maybe something. Oui, je suis crevé, Kyle. Je dors peu. I got a question. If you do more of the Anastir world, would it be a new game or expansions for the existing one? This is a very good question, and thank you, Xorzeski, for asking. I believe we want to go on the long term with Anastir, so there are many ways for us to continue. Depending on what sounds like the most exciting thing, we could do a role-playing game. We could do a card game. I'd love to do a card game based on Anastir, on the world of Anastir, and I'd love to do that. And finally, we could do a season 2 of Anastir. If you look at some of the heroes that we unlocked, one of these heroes, especially the last one that was unlocked, is an introduction to season 2 of Anastir. It's a long way from now. You know, it's a long way because we must first deliver Anastir season 1, and then we'll see. But this is what we have in mind. If you reprint Solomon Kane, do not stop the Kickstarter and the company like Dag Games and Uthia, please, Leo. Okay, Pascal. If we do a reprint on Solomon Kane, either on Kickstarter or on GameFound or, I don't know, Backkit or something, we need to think of it. We are not going to say, oh, we must do 6,000 backers or no. We will have low expectations so we can deliver it. The good thing, if we do a reprint of Solomon Kane and we communicate and we advertise on it so that we get some people's interest. If we do that, the good thing is that everything is ready. We will probably share with you an updated rule book so that you can see that, and a little surprise I can't talk to you about. And we can deliver it pretty fast and soon. The molds are done, production is contained, and I believe people want safer investments now. I believe this is the time. This is something we've been discussing a lot lately. And this is the kind of things that could reassure people, you know? So, yeah. All right.
Guys, any more questions? I could tell you something about Six Siege. We are going to try and provide you with a tabletop simulator with as many operators as we can. And I will keep you posted on this probably next week. We are really thinking of how to let you guys enjoy as much as what we have done and prepared, because a lot of things is ready. And yes, this is something we'll tell you next week. Vous pensez ouvrir une boutique physique à terme à Paris, par exemple, ou ça n'est pas du tout dans vos plans? Carl, this is a great question. To be honest, we almost did it. And it was planned to do this year. We wanted to open a Mythic store in Paris. But in the end, we decided not to, because we were too busy and because of the current situation, which is difficult. So we decided not to, but we almost did it. We had a great place. We had a lot of space. We worked on it and we were ready to do that. And we didn't, we postponed this decision. Have you ever considered Elden Ring IP? Yes, we have. But we believe, like probably a lot of people have already asked, so we're not even sure. Maybe we should try, but, you know. I missed out on Six Siege and it makes me really sad. Oh, Justin, you will have some more opportunity. As soon as we deliver Six Siege, there will be some, I was going to say leftovers, but there will be some extra overstock to buy from our e-shop. Bonsoir Léo, peux-tu nous donner des nouvelles de Rise of the Necromancers et Enchanters Darkland? Merci. Okay, so this is asked in English, but I will answer in English and French because he asked me in French. So he wants to know to have news of Rise of the Necromancers and Enchanters Darklands. Enchanters Darklands is being printed now, and you guys should receive it very, very soon. It's being printed, it's going to ship, and you should receive it soon. So I will give you exactly the date when it's supposed to arrive pretty, pretty soon. Regarding Rise of the Necromancers, we are going to, well, you know, we post updates, but it's on GameFound. It's not on Kickstarter. But yes, we are finished with all the files. And yes, maybe we should start sharing with you some PDFs, maybe the book, you know, the book, you know, the compendium that we had, we have finished. It's laid out. Everything is there. So yes, things are doing well. Everything is ready to print. We are not printing it now, but I believe we should be on time for this one. A smaller IP, but a nice one. Hades. Yes, Greek Gods with awesome design. Yes, Xorzeski. We've seen this one. Yes, this is a good idea too. Miniatures for season 2 this summer for Super Fantasy Brawl. Well, season 2 for Super, you know, not to be confused with round 2. Round 2 miniatures have been delivered. Round 2 miniatures will arrive soon or are coming now to the stores. And the season 2, so round 2 was still season 1. And season 2, I'll give you some news pretty, pretty soon. I have some exciting news. I will tell you. Elden Ring or Hades board game I buy already now. Thank you, SquallRX. Okay, guys. Any more questions in English? Or can I just switch to French? On va passer au français là très bientôt, sauf si j'ai des dernières questions en anglais. All right. Okay. On va passer en français. So, guys, thank you, English-speaking guys, for following this live.
Thank you for following or watching the replay. You still are a lot, and I really enjoy that. Oui, alors la saison 2 de Super Fantasy Brawl, on a déjà tous les personnages, les caracs qui sont faites, il y a déjà des visuels. Je vous teaserai. You will have quite a bit of my money as well. Thank you, Kzozeski. On va passer en français. So, thank you for following it. Thank you for watching us, for watching the replay. I will be back next week. And yes, the good thing is we can have updated news of everything. Thank you, Preston, for being here. Preston, you are in a good place. And I will make a short break and be back in French. Now, as I always say to the non-French speaking audience, if you follow the French live and ask questions in English during the French live, I will answer you in English, okay? Okay, on va passer au français. Donc, on va marquer une petite pause et ensuite, on va passer au français. Donc, hop, voilà, je passe en français et on marque une petite pause. Je reviens dans quelques minutes et ce sera en français. Ne partez pas, on revient dans quelques minutes. Don't leave, just stay here and we'll be back. Just a few minutes. Bonsoir à tous et nous voilà pour le live en français. Merci d'être là. Vous avez été très nombreux à suivre les lives pendant la campagne à Nastir. Lors du final, c'était complètement dingue. On était presque 300 en live. Au moins 300 en live. C'était incroyable pour ce final qui a été fantastique. Donc un grand merci, grand merci pour votre soutien. Je vous l'avoue, je suis fatigué. J'ai essayé de me reposer un petit peu samedi, dimanche. Je suis toujours fatigué, ça se voit. Mais merci à vous d'être là et on va passer un bon moment encore ensemble ce soir. Alors, qui avons-nous? Alors, nous avons Franck Boyer, nous avons Cornomine de Tulcas. Bonsoir Léo, une date pour l'ouverture du SAV JOA par Meeple pour le remplacement des figurines abîmées. Ce n'est pas ouvert. Ah, c'est pas ouvert. Alors, écoute, je suis très surpris de cela.
Corlomine de Tulkas, s'il te plaît, envoie-moi un email, leonidas@mythicgames.net. Tu m'envoies un email pour que je me souvienne de ça et que je puisse transmettre. Tu peux aussi le faire peut-être... oui, peut-être Corlomine de Tulkas, peut-être que tu peux contacter David Riley. Contacte-le si tu m'envoies pas un email, parce que c'est vrai que j'en reçois pas mal, pour que on se renseigne et que on vous donne une réponse. C'est pas normal, à mon avis, que ce soit pas encore ouvert. Voilà. Et donc on va se renseigner et on va le faire. Bonsoir Kevin Dumont, salut encore. Oh là là, mais je vois plein de monde. Julien Saint-Homo, bonsoir. Pascal Cauchy, oui, on est là aussi, merci. Squaler X, rebonsoir. Benjamin Gunther, merci. Merci à toi d'être là tous les mercredis. Merci à vous d'être là. Vous êtes incroyable. Tony, yes, here's the light for you. Pourquoi je parle en anglais d'ailleurs? Coucou Eldar84, Lord Fabius, salut Léo, GG pour Anastir et tout ce que vous faites, merci. C'était une super campagne, on a passé le million et je peux vous dire que après les deux premiers jours, on s'est dit « Ah, c'est pas sûr qu'on arrive à un million ». On a recalculé un petit peu les stretch goals en se disant « Bon, allez, essayons de tout débloquer à un million, mais c'est pas sûr qu'on le fasse ». Finalement, on l'a fait parce qu'il y a eu un énorme final. Franchement, les deux derniers jours, ils étaient dingues. Merci à vous tous, c'était super. Antoine Galarmo, bonjour du Québec. Allez-vous inclure dans la boîte de stretch goal les quatre nouveaux alliés et la dernière figurine alternative de Bride pour ne pas avoir à gérer plein de petites boîtes? Oui, Antoine Galarmo, je pense que ça va être inclus dans la boîte de base ou alors dans une boîte de stretch goal. En fait, il va y avoir la boîte de base, puis il va y avoir une boîte de stretch goal dans laquelle il y aura tout. Voilà, je pense, hein, c'est ce qu'on a prévu. La boîte de stretch goal, d'ailleurs, elle va ressembler... À la boîte qui... elle aura la même taille, cette boîte de stretch goal, elle aura la même taille que les autres extensions, et il y aura tous les stretch goals, donc toute l'extension du marais, plus les petits décors, plus les quatre héros. Ils vont pas avoir chacun une boîte séparée, tout va être dans une seule boîte, voilà. Bonsoir à la Good Place, Florivo, félicitations pour le succès d'Anastir, merci Florivo, allez. Je balance de la lumière. Là, finalement, j'en parle plus que pendant le live en anglais. Mais il faut dire que c'est la French Touch. Vous êtes tous en forme ce soir. Et voilà. Et on s'entend bien. Si le KS Anastir avait duré quelques heures de plus, ce KS aurait, je pense, largement dépassé les 1,1 million. Beaucoup de backers ont dû se mordre les doigts de l'avoir raté complètement. Franck Boyer, tu as totalement raison. Et pour répondre à la question, Bride... on l'a offerte, hein. On a offert Bride avec le casque, même si on n'a pas fait tout à fait 1,1 million, on a fait 1 million 80 000, on était à 20 000 près, on vous l'a offert, voilà. J'ai craqué sur elle après Anastir, c'est vrai, l'univers de Dimitri, oh là là, bravo Dimitri, et vous avez raison de craquer sur elle parce qu'on est le 11, fin du mois, on ferme le Pledge Manager de Hell. En ce moment, on va fermer pas mal de Pledge Manager, donc tenez-vous prêts. C'est maintenant qu'il faut craquer. Évidemment, on va ouvrir aussi en même temps Anastir, mais pareil, on ne va pas le laisser ouvert trop longtemps. Surpris de la fin, j'avoue, je n'aurais pas parié sur le million au départ. C'est vrai, Pascal Cauchy, on a tous été surpris. On n'était pas sûr de le faire du tout. Et finalement, on l'a fait. Et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la campagne a été réussie. Ça veut dire que le projet a plu, même si... en ce moment c'est plus difficile parce que la conjoncture est particulière et c'est pas lié à la campagne elle-même, c'est pas lié à la proposition, c'est lié au contexte qui est un petit peu anxiogène en ce moment, les gens avec la guerre, l'augmentation des prix, l'inflation, etc. Les gens font plus attention, donc on a moins de gros énormes succès, mais franchement 1 million dans ce contexte, c'est plutôt pas mal, je trouve. Merci pour ce Kickstarter et GG pour cette belle promesse, vous m'avez fait vibrer, je vous souhaite le meilleur pour ce projet et cet univers qui m'a l'air superbe. Merci Anthony Oliveira, voilà, je suis content parce qu'on n'a pas eu trop l'occasion de le faire pendant le live en anglais, mais là voilà, on fête un petit peu, c'est un petit peu bah tenez, je vais boire un petit peu de dans ma coupe de crâne, c'est du coca. Mais voilà, je l'ai fait la dernière fois au champagne vendredi dernier, voilà. Alors, Teddy Pungan Vanon. Oui, moi aussi, j'ai eu des frissons au début de la campagne d'Anastir. Merci. Vous êtes super. Vous êtes vraiment géniaux.
Merci Léo, bonsoir Léo et tous les Mythic Viewers. Merci Damien Le Renard qui est là et le jeu de rôle à Nastir pour plus tard. Eh ben pourquoi pas, si... Dites-nous, qu'est-ce que vous aimeriez? Un jeu de rôle à Nastir, un jeu de cartes à Nastir? Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, ils vont se vendre les droits ou pas, il y aura toujours le Late Pledge sans l'avatar offert. Exactement. S'ils viennent dans le Late Pledge, eh ben, ils pourront avoir tout, sauf l'avatar que je vais vous remontrer. Celui-là, voilà. L'avatar, ça, c'était pour tous ceux qui ont backé pendant la campagne, vous l'avez. Une énorme figurine, un Sylphae magnifique. Voilà, il est là. Voilà. Et ben là, vous devrez payer $15 pour l'avoir. Mais vous pourrez l'avoir quand même en Late Pledge, ceux qui ont raté. Vous avez au final une très belle campagne avec beaucoup de passion. Merci Tony Tony. Anastia mérite son million en Late Pledge sur GameFound. Je dis ça, je dis rien. Oui, ce sera sûrement sur GameFound. On va certainement aller sur GameFound pour Anastia. Voilà. Et peut-être qu'on peut réussir un beau Late Pledge ou un beau Pledge Manager. Est-ce qu'on aura Rise of the Necromancers avant Noël? Je croise les doigts. Je ne veux pas donner de promesses parce que en ce moment, c'est très, très difficile d'avoir des dates et les prix, c'est une catastrophe. Les prix continuent d'être très élevés. Donc, voilà. Je ne veux pas donner de promesses, mais en tout cas, on est prêt et c'est pas un truc compliqué, ni gros, ni énorme, ni coûteux à envoyer. Donc, j'ai bon espoir que vous l'ayez avant Noël pour Rise of the Necromancers. Vous avez un objectif en termes de chiffres pour le PM d'Anastir? Écoute, oui, on a un objectif, on espère faire 600 000 sur le Pledge Manager de Anastir. Voilà, au moins c'est très très clair. Ça me semble possible. Voilà, je vous dirai si ça vous intéresse. C'est vrai qu'on s'est régalé. Merci Kevin Dumont. Tu penses que le délai de livraison d'Anastir sera respecté, Léo? J'ai peur de devoir attendre 3 ans. Alors, Eldars 84, tu as raison de t'inquiéter. Alors, vous savez vraiment, sincèrement, je vais toujours essayer d'être le plus honnête et sincère possible avec vous. Je vais continuer à le faire. Donc, je vais vous dire ma vérité du moment. Encore une fois, si ça change, je serai le premier à vous dire, ah ben, désolé, j'avais dit ça, mais c'est plus ça, etc. J'espère que vous acceptez ce franc-parler et le fait que je suis totalement sincère chaque fois que je vous dis des choses et que bah, on apprend de nos erreurs, mais on s'adapte aussi aux circonstances. Voilà. Alors, est-ce que je pense que vous allez devoir attendre 3 ans sur Anastir? Non, je ne pense pas. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Anastir? Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un jeu qui, contrairement à d'autres qui nous ont pris beaucoup de temps, tous ceux où on a été vraiment en retard, c'était les gros jeux narratifs. Ça fait Hell et Solomon Kane, ça a été un monstre de travail et ça nous a pris du beaucoup de temps. Et donc, on a été en retard principalement à cause de ça. C'est pas à cause du Covid, c'est vraiment à cause du temps de développement, du travail, des équipes mobilisées, ça a été colossal. Sur d'autres jeux, ça n'a pas été le cas. Sur Super Fantasy Brawl, on n'a pratiquement pas été en retard. Sur Steam Watchers non plus. Rise Busters n'a pas été vraiment en retard. Quand je dis pas vraiment, c'est si c'est 2-3 mois, je pense que personne, enfin tout le monde comprend que bah, les délais sont un peu fluctuants sur Kickstarter. Donc c'est pas le genre de jeu sur lequel on pense avoir du retard à Anastir parce qu'il n'y a pas, c'est pas un jeu à multiples embranchements narratifs avec plein de choses à prévoir, avec énormément de textes à écrire, avec énormément de scénarios non plus. Les scénarios, ils sont simples, ils sont carrés, ils sont assez rapides à développer. Donc, non, je ne pense pas qu'en termes de développement, ça va nous prendre beaucoup de temps. On estime qu'il y a, d'après, et là je parle avec l'équipe de développement, on estime qu'il y a 7 mois pour tout finaliser, que ce soit prêt à partir. On a annoncé une date de juillet 2023. Donc, pourquoi je pense que c'est tenable? Parce que le jeu lui-même, les sculptures sont faites et la dette de travail, elle est moindre que sur des jeux comme Solomon Kane ou Hell à l'époque. Donc, je ne pense pas qu'il y aura à attendre autant pour le développement. Maintenant, l'incertitude, ça concerne la situation, les bateaux, les containers, et ça, tout le monde y est confronté en ce moment. Donc, voilà. Voilà pour répondre. Voilà. Et de toute façon, ce que je peux vous promettre, c'est, ben, vous voyez, on a ces rendez-vous régulièrement
toutes les semaines, c'est de vous tenir au courant, de vous dire les dernières nouvelles. Voilà. Qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, on vous les dit, on est transparent et ça doit continuer comme ça. Voilà. Il faut absolument qu'on vous dise les choses. Je pense que c'est ça. Et donc, s'il y avait un problème, s'il y avait un retard, si on le savait, si on est conscient, si on est certain, on vous le dira. Voilà. Bonsoir Brice Chavignon. Allez-vous attendre que certains jeux soient livrés avant de nous lancer sur un autre KS? Oui, on va essayer de faire ça, bien sûr. Là, c'était le dernier... Bah, c'était le premier gros KS hein, de l'année, puisqu'on n'avait pas fait de KS, celui-là. Donc oui, la prochaine étape, ça va être de vous proposer de vous faire une livraison. Après, je mets tout ce qui est reprint ou tout ce qui est un petit peu différemment. C'est pas un nouveau projet, un truc. Donc on va peut-être faire. J'en ai parlé en début, enfin dans le live en anglais. Je peux en reparler ici. On va peut-être. Proposer quelque chose, remettre en lumière Solomon Kane, vous voyez. Donc, mais un reprint de Solomon Kane, mais on va peut-être le mettre avec une vraie campagne et pas juste, ben voilà, si vous voulez, vous pouvez l'acheter, etc. On va peut-être faire quelque chose avec une petite surprise, mais je ne considère pas ça comme un vrai Kickstarter. D'ailleurs, ce ne sera pas sur Kickstarter. Mais voilà, on va peut-être faire ça là, bientôt. Ensuite, bah, cet été, on va livrer Darkest Dungeon. On va pas partir sur de gros projets tout de suite. En plus, il faut tenir compte de la situation actuelle qui est pas propice pour faire. On l'a bien vu sur Anastir, on a fait 1 million, ce qui est déjà énorme, c'est même un succès. Mais voilà, peut-être que dans d'autres circonstances, à d'autres moments, on aurait pu faire même beaucoup plus que ça. Et je pense que ça nous alerte sur le fait que, attention, les gens ont moins de moyens en ce moment, font plus attention. Il y a une inflation, il y a plein de choses. Ce qui fait que il faut qu'on, nous aussi, on s'adapte à la demande. On s'adapte aux circonstances. Et donc, je peux vous dire, on va pas partir sur un gros Kickstarter de sitôt. Voilà, on va faire peut-être des reprints, on va peut-être faire des... si on fait un projet, ce sera peut-être un petit projet. Les gros projets qu'on avait prévus, on va les repousser à plus tard. Voilà un petit peu dans quel état d'esprit nous sommes. On parle beaucoup des déboires de Hearthstone. Penses-tu pouvoir n'être pas autant impacté? Radius Perfecto C'est difficile de dire. Alors, j'ai pas trop suivi, mais je crois que je vous avais déjà parlé un petit peu de ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. Je vous avais déjà dit que on espérait que la situation des containers, des frais de port se stabilise, et ça ne s'est pas fait pour l'instant. Et donc, voilà, c'est sans doute pour ça que ils ont dû demander aux gens de contribuer. Et nous, on va suivre également par rapport à ça, parce que c'est il faut reconnaître. Enfin, moi, je rejette absolument pas la pierre. C'est nous, on a pu jusqu'à présent absorber tous les surcoûts, mais il arrive un moment où c'est plus possible. Et je sais pas si eux ont pu le faire, mais je suis certain que entre le moment où ils ont fait leur Kickstarter et le moment où ils ont dû payer, les frais ont augmenté de manière considérable. Jusqu'à quel point? Jusqu'à un point où ils ne gagnaient plus d'argent. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Question SFB du coup. Vaut-il mieux acheter la saison 1 sur le marché de l'occasion à prix d'or, car j'ai raté la campagne KSR1R2, ou attendre la saison 2? C'est une bonne question. Écoute, moi je dirais n'achète pas à prix d'or si tu peux attendre, parce que Super Fantasy Brawl, l'intérêt, c'est qu'il est disponible. Aujourd'hui, les gens peuvent l'acheter en boutique. Et on a livré la saison 1 et le round 2. Donc, on est totalement cool sur Super Fantasy Brawl. Il est vraiment dans une situation idéale. Et c'est pour ça que ça nous donne des idées, toujours dans cette adaptation à la situation. Ça nous donne des idées pour la suite. Et ça, je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai bientôt, certainement après... peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, je vous reparlerai un petit peu de Solomon Kane.
découverte de ce live pendant mon premier KS avec Anastir. Bravo et merci pour ce partage d'infos vivants. Merci John DMNT. Je suis content de voir des nouvelles personnes qui viennent et qui suivent ce live. Eh bien, je t'envoie la lumière pour te remercier. John DMNT, je sais pas où John, je suis ravi et bienvenue. Tu fais partie de cette communauté. Bienvenue. Tu es au bon endroit. You are in a good place. Ah, mais du coup, que dois-je faire puisque j'ai payé sur le KS Octavius? Alors, je ne comprends pas la question. Explique-moi, qu'est-ce que tu as payé sur le KS pour que je comprenne bien. Radius Perfecto, j'ai pas qu'à Anastir, je suis bien conscient qu'il va falloir ajouter 50% entre les frais de port et la TVA. Ben voilà, Radius Perfecto, nous, c'est ce qu'on a commencé à faire avant. On ne faisait pas payer la TVA. On la payait, nous, la TVA, mais on ne la répercutait pas sur les backers. C'est-à-dire que le prix Kickstarter, il était le même pour tout le monde. Maintenant, bah, les backers européens, pendant le Pledge Manager, ils doivent rajouter la TVA que nous, on payait avant, mais on la répercutait pas, on le prenait sur notre marge. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et les frais de port, ils ont augmenté. Alors, avant, on nous critiquait sur le niveau élevé de nos frais de port. Aujourd'hui, on nous critique beaucoup moins, mais même ça, je peux vous assurer que ça suffit pas. Benjamin Gunther, top, je t'aime, Léo. Merci, j'attends la semaine pro pour des news de SFB. Alors, tu les auras, Benjamin, et vraiment, je sais qu'il y a une grosse communauté de fans sur Super Fantasy Brawl. Je peux vous dire que dans certaines boutiques en France, on a reçu des chiffres et on en a une, je ne me souviens plus laquelle. Les ventes numéro 1, c'était Seven Wonders Architect, je crois. Vente numéro 2 du mois d'avril, Super Fantasy Brawl. Donc ça veut dire qu'il y a des boutiques où Super Fantasy Brawl est dans le top 3 des ventes. Ça, c'est plutôt bon signe. On sait que dans plein de boutiques de Super Fantasy Brawl, tout a été vendu. Les gens ont fait des démos et hop, c'est parti tout de suite. Donc, je pense que il y a quelque chose à faire sur Super Fantasy Brawl et je vous en reparlerai bientôt. Voilà. Merci à Maxildan d'avoir fait découvrir Anastir en ta présence. Merci à Maxildan qui est un super animateur, qui est vraiment passionné, qui a une vraie communauté qui le suit et qui nous a amené des gens. Donc, voilà, ça c'est vraiment super. Et même merci à vous tous de suivre un petit peu ces news. Je vois que le nombre de spectateurs augmente. On est maintenant passé à 80. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai commencé plus tard, donc les gens ne sont peut-être pas habitués. C'est pour ça qu'on a eu un petit peu moins de monde au début de live, mais ça va revenir. Je vais essayer de faire le live vraiment à 19h. Là, j'étais 20 minutes en retard. On va essayer de le faire vraiment à 19h. Et on va essayer de terminer vers 21h. Donc voilà, il est 20h30. On va rester encore une trentaine de minutes en français avec toutes ces questions qui tombent à toute allure. Alors, des news de Darkest Dungeon. J'ai peut-être raté la boîte de rangement qui devait être montrée. C'est vrai qu'on n'a pas montré la boîte de rangement. Alors, il faut que je vous montre. Il faut qu'on se fasse envoyer... peut-être pas la boîte de rangement, mais il faut qu'on se fasse envoyer des choses pour vous montrer tout ça en live. C'est vrai que là, avec Anastir, la campagne, je vous dis, j'ai été claqué, on a bossé comme des fous, ça a été une énorme campagne, c'était vraiment beaucoup de préparation, croyez-moi. Mais là, c'est vrai que ce serait bien qu'on vous montre quelque chose sur Darkest Dungeon. Déjà, on va vous montrer une partie, parce que j'ai joué une partie en français de Darkest Dungeon. Elle est montée, on va pouvoir vous la montrer, et j'ai hâte de vous montrer un maximum de choses sur Darkest Dungeon. En fait, j'ai pledgé 6-6 sur KS et je n'ai pas fait le Pledge Manager qui est maintenant fini. Je ne peux plus sélectionner. Ah, Octavius, oh, t'as pas fait le Pledge Manager. Écoute, Octavius, s'il te plaît, tu expliques la situation. Tu envoies un email le plus vite possible à support, S-U-P-O-R-T, @mythicgames.net. Tu leur écris et ils vont résoudre ton problème. Ils vont faire en sorte que tu puisses compléter ton Pledge Manager, peut-être le rouvrir pour toi. Écris-leur. Support, S-U-P-O-R-T, @mythicgames.net. C'est normal, votre jeu est incroyable. Merci, Kevin Dumont. Tiens, Kevin Dumont, tu le mérites, toi aussi. Qui est toujours là, qui rate aucun live. Merci, Kevin. T'es au bon endroit. Merci pour ton soutien. Merci pour tout. Voilà, vous êtes vraiment... Vous me donnez toujours la pêche, les gars. Franchement, pendant ces lives, même quand je suis crevé comme en ce moment, bah voilà, je lis les lives, je lis vos commentaires et je suis en forme. Voilà, vous me reboostez à chaque fois. Je me nourris de votre énergie. Merci. Alors, j'ai la solution pour les frais de port et les prix sur le transport, produire le matériel papier et carton en Lituanie et les figues en Pologne. Alors, pour tout ce qui est papier, c'est vrai qu'il y a moins de problèmes, hein, d'ailleurs.
C'est des figurines, c'est un peu plus gênant. Pardon, Vosges, merci. Vosges, merci Kevin Dumont. Donc tu n'as plus accès. Donc Octavius, tu écris à support@mythicgames.net et on va régler le problème. Y a-t-il une boîte de rangement pour Anastir? Non, alors pour Anastir, il y a une boîte de base et il y a une boîte de stretch goal. Voilà ce qu'on a prévu. Bonsoir Léo, pourrais-tu nous donner des informations sur Sixige de la livraison et non des infos sur TTS qui personnellement m'intéresse pas du tout. D'accord, Alcyone 26. Ok, je ne parle pas de TTS puisque ça ne t'intéresse pas. Alors, pour la livraison, eh bien c'est simple. Six Siege va être imprimé juste après Darkest Dungeon. Alors, on a encore reçu des vidéos de production de Darkest Dungeon. Vous allez voir, tout est presque imprimé. Donc, dès que ce sera terminé, on va passer à Six Siege. Donc, je pense que Six Siege va être imprimé cet été. Et donc, il va arriver bientôt et on a hyper hâte de vous le livrer. Voilà. Donc voilà, j'ai pas parlé de TTS. Mais vraiment que de l'impression et de la livraison. Salut Léo, encore bravo pour la campagne. Merci Kefas et merci à tous d'être là. Bonsoir à tous. Prévoyez-vous de faire un Rise Busters de Michel Trébuchet? Eh bien, écoute, vous avez tous des bonnes questions, en fait. Hein. Vous avez tous des très très bonnes questions. Alors, Rise Busters 2, on y pense et on réfléchit à proposer. Il y a plusieurs choses pour Rise Busters. Déjà, il faut savoir que on est en train de développer. Et ça, c'est un petit scoop. Vous m'avez amené là, donc j'ai envie de parler ce soir. On est en train de développer ce qu'on va appeler. Alors, je ne sais pas si on va l'appeler comme ça, mais une sorte de Vrilverse. Vrilverse, c'est-à-dire l'univers où le Vril est présent et. Et il y aura peut-être plusieurs jeux dans cet univers-là, parce que c'est une super idée, c'est un super contexte. Rise Busters, c'était une approche, un truc, et puis on va avoir peut-être un autre jeu dans cet univers-là, mais plus aventure, pulp, Indiana Jones, aventure, pas forcément juste des militaires, et avec un côté très mystérieux, avec... un lieu très 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 bizarre et voilà, et ça on y réfléchit. Et pour ce qui est de Rise Busters, puisque on est en train de développer cet univers et qu'on va le décliner sur plusieurs jeux, eh bien on réfléchit à faire une réimpression de Rise Busters, mais plutôt qu'une réimpression, une seconde édition. Et cette seconde édition, qu'est-ce que elle sera? Ben déjà, elle va tenir compte de cet univers qu'on développe sur Rise Busters. C'est-à-dire les différents jeux qu'on pourrait faire qui seront directement bien imbriqués dès le départ. Ça, c'est une première chose. Et puis, cette seconde édition, on veut qu'elle améliore encore le jeu de base. Alors évidemment, maintenant que vous avez joué avec les errata, les errata pack, etc., le jeu est fluide. Les gens apprécient, adorent. Mais plutôt que de faire juste une réimpression, on ferait bien une deuxième édition qui permettrait d'avoir un jeu encore plus fluide. On a fait des petits changements et ce serait le même jeu, mais avec des règles plus fluides. Voilà. Donc, on réfléchit à ça. Tout ça n'est pas décidé. Tout ça n'est pas encore mis sur un calendrier certain, puisque notre calendrier, il s'adapte aussi aux circonstances, à la situation, etc. Donc... voilà, voilà ce que je peux vous dire sur Rise Busters. Pour Anastir, toutes les boîtes d'expansion auront aussi un dessin de Wayne Reynolds? Si oui, ça déchire. Alors non, toutes les boîtes d'expansion n'auront pas un dessin de Wayne Reynolds. Il y aura, en fait, Wayne Reynolds, il y aura la boîte de base et il y aura l'extension la nécropole des rois démons. Serment d'une reine, ça, ce sera Wayne Reynolds. Et sinon, on a d'autres artistes qui feront des couvertures pour les jungles primordiales, pour la montagne, les collines, les roches collines, les brumes des roches collines, pour le marais, donc c'est le marais d'os. Voilà, on aura
des illustrateurs pour ça. Salut Léo, me dit Alpha Lord Zero. Pour Six Siege, est-ce qu'il serait possible de nous partager les profils finalisés des opérateurs sur une actu Kickstarter pour ceux qui n'ont pas TTS ? Ah oui, c'est vrai. Alors, on comptait les mettre sur TTS, tous, mais il faudrait que je vous montre un petit peu tous ces profils. On en a tous les profils actualisés, regardez. Ça en fait un gros paquet. Il faut absolument qu'on vous les montre. Et c'est une bonne remarque. Tout le monde n'a pas TTS, donc c'est vrai qu'ils vont être sur TTS, mais ce serait bien aussi qu'on vous les partage sur, enfin qu'on vous les propose sur une actu. Je pense qu'on va faire ça, surtout si ça se fait un petit peu attendre. Au moins comme ça, vous pourrez les voir. Voilà. Donc oui, je pense que c'est une bonne idée. Je vais en parler avec l'équipe. Une seconde édition de Rivesor, ce serait génial. Merci Samuel Benoît. Léo, il avait été évoqué la disponibilité de figurines SFB en boutique avec des sorties régulières. Qu'en est-il ? Je n'ai pas complété mon PM Monster Apocalypse. Que conseilles-tu comme add-on ? Alors, Damien Le Renard. Oui, alors, pour Super Fantasy Brawl en boutique, pour l'instant, on en est à fournir tout ce qui a été fourni déjà sur les Kickstarters, c'est-à-dire la saison 1 et le round 2. Pour l'instant, il y a eu les figurines de la saison 1 qui ont été mises à disposition dans les boutiques, et je crois qu'il y a les figurines du round 2 qui sont en train d'arriver en boutique. Donc voilà. Avec les sorties régulières, bah, déjà, rien que ça, il y a déjà eu, je crois, 24 figurines, 24 héros, bah, ça fait déjà pas mal d'extensions, et en boutique, ils peuvent pas sortir tout le temps. Il faut attendre, donc rien que ça, ça devrait nous mener jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, il y a peut-être autre chose. J'avais commencé à teaser, et c'est un peu trop tôt pour le dire, mais je vous invite à me relancer sur Super Fantasy Brawl, et bientôt, je vous ferai part de notre plan récent sur Super Fantasy Brawl. Je pense que ça devrait vous plaire. Donc voilà. Une seconde édition serait top. Je trouve ça très bien que vous accompagniez vos jeux pour améliorer le gameplay, parce que concernant les figurines, vous êtes déjà au top. Merci beaucoup. On a vraiment l'envie de toujours aller le plus loin possible et vous livrer les meilleurs jeux possibles et pas abandonner quand on se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas parfaites. On veut toujours s'améliorer, on veut toujours aller loin et on veut soutenir nos jeux sur le long terme. Des news aussi pour la vidéo de Darkest Dungeon avec le matériel final tant attendu. Oui, alors il va y avoir une vidéo de partie qui est montée, que je vais visionner et qu'on va diffuser bientôt. Maintenant que la campagne Kickstarter est terminée, moi déjà, je vais pouvoir me reprendre une vie normale et beaucoup des gens qui étaient impliqués aussi. Et donc maintenant, ça va être le moment où on va partager des choses, on va vous montrer des vidéos, on va communiquer, vous allez voir plein de nouvelles choses. Donc vous allez pouvoir nous redemander tout ça. Pour la saison 2, ce serait classe de faire une nouvelle figue sur un soldat ukrainien en forme d'hommage. Alors, je comprends hein, la remarque Squalerix. C'est vrai que il faut. Si vous avez remarqué dans Super Fantasy Brawl, il y a pas mal de représentations déjà qui sont faites. On essaye de faire ça déjà un petit peu. Il y a un personnage en fauteuil roulant. C'est vrai que c'est pas si courant de voir ça. On essaye à notre manière de soutenir les j'allais dire les minorités opprimées, mais c'est pas, elles sont pas toujours, mais de soutenir la différence, les minorités, etc. On essaie de le faire un petit peu à notre façon, de manière un petit peu emblématique, de manière un petit peu allégorique, je dirais presque dans un jeu, comme la science-fiction en a souvent fait. Très souvent, les phénomènes de société sont racontés en science-fiction. Et ben là, on le fait un petit peu sur Super Fantasy Brawl, mais vraiment de manière légère, mais un petit peu quand même. Les histoires des personnages, si vous regardez le background, le lore des personnages de Super Fantasy Brawl, vous verrez que voilà, c'est une manière un petit peu de le faire. Alors je ne sais pas si on peut le faire de manière aussi directe, parce que ça s'y prêterait pas. L'Ukraine dans Super Fantasy Brawl, ça a pas grand sens. Mais à voir si on peut faire quelque chose. J'en parlerai aux équipes. Je sais que les 24 héros sont déjà de la saison 2 sont déjà designés, pour tout vous dire. Hein. Et on est en plein playtest là-dessus.
Tu envoies souvent la lumière sur nous à mon tour. J'envoie de l'amour sur toi. Oh là là, mais que c'est gentil, Eldar 84. Merci, je te remercie, regarde. Voilà, tu vois, ça s'est vu, donc merci, merci, merci. Vous êtes adorables. Pour les profits de Sixi, j'ai le tirage random de missions et autres sur le modèle. C'est prévu dans l'application. Oui, c'est prévu dans l'application. Est-ce qu'il y aura une version spéciale de Rage Buster pour ceux qui le possèdent déjà? Peut-être, peut-être. C'est vrai que... Peut-être, il faut qu'on réfléchisse à ça. En effet, il faut qu'on réfléchisse à ça. Mais voilà, c'est vraiment dans les papiers, c'est pas encore calé, mais je sais qu'on a une seconde édition des règles qui est vraiment géniale, et je vous en reparlerai. Tu as parlé d'un plan sur SFB qu'il fallait te relancer. On peut en parler ce soir. Lorenzo 59, pas ce soir, je dirais plutôt la semaine prochaine, mais oui, il y a un plan sur SFB, je pense que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous plaire. J'ai loupé la présentation des deux nouveaux personnages de SFB. Tu peux nous les remontrer, s'il te plaît. Alors, je ne les ai pas encore montrés, mais c'est vrai que ce serait pas mal qu'un jour je le passe. Je sais que il y a deux personnages sculptés, dessinés, illustrés, qui sont prêts. Et puis, il y en a 22 dont les profils sont faits, qui ne sont pas sculptés, dont le design, enfin les concepts, on sait vers où on va. Et on est en train de travailler dessus, mais on teste déjà, les équipes de test sont déjà à fond dessus, et franchement, cette saison 2, ça va être un truc de malade. intéressé par un jeu futuriste? Oui, on essaye de couvrir... je vais boire un peu parce que je commence à avoir la gorge sèche. Nous essayons vraiment de couvrir tous les genres. On a déjà un jeu futuriste puisqu'on a Steam Watchers, mais on n'a pas un jeu de SF, on va dire futuriste, high-tech, space opéra ou un truc comme ça. On n'en a pas encore, mais je suis certain que ça viendra puisque on essaie de couvrir tous les genres. Hein. Voilà. Did you take a look at my questions on the new KS Anastir trailer? No, I didn't, Nicolas Bourg. Can you be more specific? Or can you ask the question again? On va l'avoir un jour. Y aura-t-il un Raptor dans SFB saison 2? Ça, je ne sais même pas, donc je ne peux même pas répondre. Une date pour le futur jeu sur la guerre de 100 ans. Alors, une date, ça sera vraisemblablement fin d'année, quoi. Voilà. Voilà, et il n'ira pas forcément sur Kickstarter, mais peut-être en boutique, et on fera peut-être une précommande, vous voyez, sachant que tout est prêt, donc on fera une précommande. J'ai hâte de vous en parler. Je ne le fais pas encore parce qu'on attend encore les derniers trucs sur Joan of Arc, et après, je vais vous faire l'annonce, et là, vous allez halluciner. Voilà. Il y aura d'autres types de jeux possibles en gardant l'univers de Steam Watchers. Il y aurait d'autres types de jeux possibles. L'univers de Steam Watchers a été très développé. Alors, on va attendre de livrer Steam Watchers en boutique et puis on va voir ce que ça va donner. Est-ce que le Mythic Day en PACA va revenir? C'est une bonne question. Moi, j'aimerais beaucoup. Il va falloir qu'on en discute avec les équipes et notamment avec Ben et Peps. Léo, je repose ma question. Crois-tu qu'un jeu basé sur le cash de la WWE serait envisageable à la sauce Mythic Games et figurines avec The Undertaker, The Rock, John Cena, etc. Alors, Brice Chavignon, je pense que c'est quelque chose qui plairait beaucoup plus aux Américains qu'à d'autres publics, même si la WWE, le catch, c'est regardé dans le monde entier. Mais c'est pas tout à fait le genre de licence qu'on fait parce que il y a un côté, comme on ne ferait pas des matchs de boxe ou des trucs, il y a un côté, d'abord c'est très américain, les Français seront moins intéressés je pense, les Européens moins également, même s'ils regardent, c'est moins, et puis il n'y a pas de côté fantastique, c'est trop proche de ce qu'on fait, donc je pense pas. Si c'était à la limite, enfin, et même du catch, on ferait pas du catch, on ferait plus des combats réels. Super Fantasy Brawl, c'est un jeu d'arène, c'est un combat d'arène déjà. Donc, je pense que ce serait plus des trucs de collectionneurs
qui intéresseraient plus les collectionneurs que réellement les joueurs. Voilà. Mais bon, voilà. Je réponds. Alors moi-même, j'ai déjà emmené mes gamins quand il y avait des matchs de catch à Bercy, je crois que je les avais amenés, ils avaient vu, ils étaient tout petits. Mais bon, de là à faire un jeu, en fait, je pense que c'est plus un truc de jeu vidéo ou de collectionneur que ce que fait Mythic Games, où il y a quand même un côté des univers fantastiques, il y a quand même ce côté-là, ou SF. Mais tu peux nous en dire un peu plus sur le live boss d'Anastir, scénario, nombre de joueurs. John Day, très bonne question et très bonne remarque. Alors, je vais reparler un petit peu d'Anastir. Allez, je vais mettre... Parce que ça, c'est quand même une annonce importante. Alors, je l'ai dit en anglais, mais je vais le redire ici. Sur Anastir, plusieurs choses à dire. D'abord, un grand merci encore pour votre soutien. 135 figurines dans la boîte de base, hein, quand même. Hein. 36 stretch goals débloqués, une extension complète débloquée, 4 héros débloqués, une extension de décor débloquée. Tout ça, ça s'ajoute à votre boîte de base, et donc votre boîte de base, elle est passée à 135 figurines. Voilà. Donc je pense que là, c'est une offre que vous ne retrouverez pas, vous ne verrez pas de sitôt, surtout quand on voit la taille de certaines figurines. Hein. Je peux encore vous les remontrer, c'est quand même, je sais, c'est... Voilà, ça c'est dans la boîte de base, vous voyez, elle est énorme, elle est lourde, je peux vous le garantir, elle est dans la boîte de base. Le dragon Anastir, je vais vous le remontrer, Anastir, elle est dans la boîte de base aussi, elle est aussi énorme et particulièrement impressionnante. Donc quand je dis 135 figurines, c'est des figurines aussi comme ça et de cette taille. Hein. Lui, le troll, il est dans la boîte de base. Le Behemoth, le troll de type Behemoth, il est énorme aussi. Voilà. Y a-t-il une figurine de toi dans Anastir comme dans Six Siege de l'Otage? Non. Bah, en fait, c'est eux qui choisissent, c'est l'équipe qui choisit s'ils font ça. D'habitude, ils font certaines surprises, et ben là, c'est pas le cas. Je ne suis pas dans Anastir. Sniff. Mais c'est pas grave. Voilà, ça montre que voilà, c'est pas planifié, tout n'est pas comme ça. Donc non, je n'y suis pas. Mais voilà, je suis dans certains jeux. Je vous montre toujours des figurines de la boîte de base d'Anastir. Donc voilà, tout ça, elles sont grosses, hein, ces figurines, et elles sont dans la boîte de base. Tout ça, c'est la boîte de base. Tout ça, c'est la boîte de base. Donc les 135 figurines dont je vous ai montré, ben, il y a aussi des figurines de cette taille. Ça va être complètement démentiel. Hein, ça va être complètement démentiel. Donc, vous vous demandez le Pledge Manager. Le Pledge Manager, on va vous annoncer son ouverture la semaine prochaine. En général, c'est 4 semaines, dans les 4 semaines après la fin du Kickstarter. Donc, peut-être d'ici la fin du mois, on devrait ouvrir le Pledge Manager de Anastir. Mais on vous donnera la date exacte la semaine prochaine. Autre chose, on a un TTS, un Tabletop Simulator. On a un lien, vous pouvez jouer à Anastir sur TTS, sur Tabletop Simulator. Donc évidemment, il vous faut Tabletop Simulator, mais après, c'est gratuit. Vous pouvez jouer à Anastir gratuitement. À partir du moment où vous avez Tabletop Simulator, vous pouvez jouer à Anastir et on vous proposera une version mise à jour la semaine prochaine. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre sur Anastir? Ben, c'est ça. Hein, ah oui, dernière chose importante, puisque là, c'était la question sur les boss. Qu'est-ce que ça va être? Alors, la partie du boss, le mercredi 25 mai. Notez bien cette date, mercredi 25 mai, ce sera un live. Et ce ne sera pas un live comme les autres, parce que ça va être une partie en direct, filmée, en direct, ici, là, dans les studios, avec une partie d'Anastir, mais cette fois-ci, qui va vous montrer un combat contre un boss. Et contre quel boss? Ce sera contre ce boss-là. Voilà. Donc, vous aurez une partie, vous aurez... Voilà, ce boss-là, contre... Ah ouais. Contre un héros, par exemple... Et lui. Voilà. Vous aurez les héros contre le boss et ça sera une partie.
Alors, on me demandait combien de joueurs, etc., etc. Alors, on sera deux ou trois joueurs. Donc, deux, moi et mon beau-frère Marc, qui va revenir exprès pour ça. On va jouer à deux. On va la faire en français et en anglais en même temps. Donc, elle sera pour que tout le monde puisse suivre. Ce sera un live. Et on sera peut-être trois, parce que je vais demander si Nyx peut revenir pour le 25 mai. J'espère qu'il pourra. S'il peut, ce sera un grand plaisir de l'accueillir et on va jouer cette partie le 25 mai. Ça va être super. Vous allez voir, on aurait aimé pouvoir le faire pendant le Kickstarter, on n'a pas pu, mais on va pouvoir le faire avant le Pledge Manager et ça, je trouve que c'est intéressant parce que vous allez voir le gameplay. Alors, je sais qu'ils ont joué cet après-midi avec du matériel imprimé. Donc, ils vont continuer à imprimer, mais de manière plus propre pour qu'on soit prêt pour le 25. Rafal Vojix has subscribed, s'est abonné. Rafal, thank you. You are in a great place. Thank you for following us. This light is for you. Merci Rafal Vojix pour t'être abonné. Tu es au bon endroit. Tu vas rencontrer plein de gens super ici. Voilà. Merci beaucoup. Elle, ça se termine, demande Michel Trébuchet. Oui, ça se termine, ça avance super bien. Les retours sont excellents et on a vu... alors bon, voilà, je termine sur Anassir. Sur elle, alors, on termine sur une série de questions-réponses et après, je terminerai le live. Il aura été terminé plus tôt. Allez, il est 20h55, on va dire 10 minutes. À 9h05, j'arrête. Et je vais jouer avec mes camarades. Je sais pas, je crois qu'on a reçu un gros jeu, je me souviens plus comment il s'appelle, et on va essayer de faire ça. Donc, Hell, pour dire, je l'ai dit tout à l'heure pendant le live en anglais, Hell, ça avance super bien, et Marc, dont l'équipe faisait partie des tout premiers playtests extérieurs quand on a fait ces playtests, et qui nous a fait tous ces retours, il a revu les scénarios après les passages des différentes équipes tests. Il m'a dit, oh, c'est incroyable, c'est nickel, il n'y a vraiment plus aucun problème. Donc, il est très, très, très confiant sur la qualité finale. On essaye vraiment de faire le jeu le plus parfait possible. On sait qu'il y a eu qu'on a été critiqué sur des errata, sur des bugs ou sur des trucs comme ça. On n'a pas envie que ce soit le cas sur Hell. Donc, on a été vraiment des psychopathes comme jamais. On a fait appel à beaucoup d'extérieurs, on a monté un process long, mais pour que ce soit au final le meilleur jeu possible. Je vous rappelle que le Pledge Manager de Hell se terminera fin mai, et après, voilà, vous pourrez plus l'avoir, en tout cas plus à ces conditions. Donc voilà, je suis dispo le 25 mai si tu veux, dit l'univers de Dimitri. Alors je sais pas, parce qu'il faut qu'on voit combien on est, etc., mais... pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Je veux bien me dévouer pour faire le troisième joueur, dit Guillaume Lebon. Vous voyez, on risque d'être très, très, très nombreux. La vidéo de boss sera avec des figues peintes. Certaines, oui, je pense que oui, on va essayer de jouer avec tous les héros peints. On a le boss peint, il faudrait qu'on l'ait... on va essayer, tiens, c'est une bonne... on va essayer. À quand les premières images sur Deadlands? Alors, Lorenzo 59, sur Deadlands, comme je l'expliquais... On va regarder, en fait, notre planning et notre timing n'est pas immuable et on va aussi s'adapter à la situation. Donc là, pour l'instant, on va faire une petite pause. On va pas refaire immédiatement de Kickstarter. On va faire plutôt des reprints ou des sorties boutiques. Peut-être des précommandes, ça c'est possible, mais pas forcément de Kickstarter. En tout cas, pas dans l'immédiat. Donc Deadlands, pour l'instant, on va attendre un petit peu. Voilà. Mais peut-être que je pourrais vous montrer des choses. Voilà. Repousser ou toujours au programme en Q3, plutôt repousser, je dirais. Voilà, on va pas le faire tout de suite. Mais vous voyez, c'est récent, puisque on regarde un petit peu par rapport à tout ça. Chapeau pour elle, je suis très confiant. Ça ne me dérange pas d'être patient pour avoir un jeu au top. Merci, Damien Le Renard. Pour SFB, il y a des tournois de prévu, car pour le moment, il n'y a pas grand-chose, surtout en Ile-de-France. Alors, Kevin Timothée, oui, il y a des tournois de prévu. Écrivez, n'hésitez pas à écrire à Mike Monnier, donc Mike, M-I-K-E, at mythicgames.net. On a eu beaucoup de demandes et on a envie de les soutenir et on va le faire. Et donc, oui, il y aura des tournois. Il y aura des tournois. Léo, seras-tu présent au salon de Vichy cette année? Je ne sais pas. J'ai entendu beaucoup de bien de ce salon. Donc, j'aimerais bien y aller maintenant.
Je ne sais pas si moi j'y serais personnellement, mais j'aimerais bien. Et j'espère que Mythic Games y sera d'un point de vue général. Venez jouer dans le sud, dit Jean-Marie Delinger. Salut Jean-Marie! T'as vu, ça s'est bien terminé, Anastasia. Voilà. bien de repousser effectivement Deadlands. Par contre, on veut voir des belles choses pour se hyper. Alors ça, oui, ça, on va pouvoir. Vous allez voir de très belles choses. On a d'autres idées. En fait, vraisemblablement, ce qu'on fera d'ici la fin de l'année, ce sera peut-être un petit projet, mais vraiment tout petit. Et je suis assez content de ce que c'est. C'est pas ce à quoi vous vous attendez, mais justement, c'est sympa, un petit projet original, voilà, qu'on va peut-être faire. Et puis, je vous dis, on va faire un truc sur Solomon Kane très bientôt. Je vous en parlerai sans doute la semaine prochaine. Voilà. Kefas me dit, allez, Léo, j'y vais, je te souhaite une bonne soirée. Merci, Kefas. Et tu sais quoi, on va bientôt terminer. J'attends les dernières questions et puis on va terminer ce soir. Moi, j'y serai à Vichy, moi aussi, Brice Chavignon. Merci beaucoup pour tes explications, ça rassure, madame. Eh bien, écoute, je suis ravi, Michel Trébuchet. Et voilà. L'occasion, tout ce week-end, c'est de vous faire part aussi de nos idées, nos réflexions, nos évolutions pour que vous soyez au courant tout le temps. Voilà. Deadland, c'est quoi? C'était un des projets qu'on a un petit peu teasé, on en a un petit peu parlé. C'est un univers de cow-boy horrifique. Voilà. Et donc, c'est une licence qui existe. C'est un jeu de rôle très populaire. On a dit qu'on ferait certainement un jeu là-dessus. Mais on pensait le faire cette année. Et là, on se dit, on va peut-être pas le faire cette année, finalement. Voilà, c'est juste ça. Mais on a déjà plein de choses là-dessus. Bonne soirée Léo, bonne soirée à tous, merci pour tes lives, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine Brice Chavignon, ben vous savez quoi, je pense que je vais en profiter pour vous dire au revoir. C'était super sympa, j'ai aimé. Alors la version française, finalement on a parlé de plein de choses, on a posé plein de questions. Dis-moi Léo, quels add-ons tu prendrais sur le PM de Monster Apocalypse? C'est vrai Damien Le Renard, tu m'avais posé cette question. Écoute... Moi, je prendrais les créatures que j'aime beaucoup, c'est-à-dire je prendrais les singes. Alors attendez, je vais regarder exactement pour te répondre, et puis je pense que je terminerai là-dessus. Le but, c'est pas de dire tu prends tout, ça va être de prendre vraiment... Alors, je vais regarder sur Monster Apocalypse. Voilà. Alors, sur Monster Apocalypse, bon, déjà, si tu veux jouer, alors déjà, tu sais, il y a l'addon Battle Royale, celui-là, je le prendrai, parce que ça te permet de jouer jusqu'à 4 joueurs, et toutes les configurations possibles, chacun pour soi, 2 contre 2, coop, etc. Donc moi, vraiment, déjà, je prendrais celui-là. Je ne sais pas si tu l'as pris. Et ensuite, dans les extensions thématiques, moi, je prendrais Simian Corp, parce que j'adore les singes, et je trouve qu'ils sont indispensables à ce jeu. Et qu'est-ce que je prendrais d'autre ? Je prendrais peut-être les maps, parce que c'est pas très cher, c'est 15$ les deux maps. Donc moi, je prendrais les maps. Donc je prendrais Simian Corp, je prendrais les maps. Et ensuite, par rapport aux autres add-ons, je pense, une extension de décor, parce que ces décors, les bâtiments apportent beaucoup. Je prendrai Wreckburg, parce que c'est pas très cher aussi, et comme ça, tu as
c'est pas trop cher, c'est pas, tu vois, je t'ai pas dit toutes les extensions, toutes les factions, mais déjà t'as un peu plus de factions, tu as un peu plus de décors et t'as la possibilité de jouer dans toutes les configurations possibles. Donc, voilà ma recommandation. Bien. Voilà. Cal, merci Léo, je crois en Mythi Games, mais repose-toi un peu. Ah oui, j'en ai vraiment besoin. J'espère que je serai un peu plus avenant la semaine prochaine, je serai un peu plus reposé et donc ça va être cool. J'attends mercredi prochain. Voilà. J'ai raté Six, comment faire pour rattraper, me demande l'univers de Dimitri. Eh bien, écoute, je te conseille d'attendre la livraison de Six Siege et d'acheter Six Siege sur notre e-shop. Il sera là en quantité limitée. Dès qu'il sera livré au backer, tu pourras l'acheter. Donc, c'est vraiment l'occasion de le faire. Voilà. On a droit à la lumière pour le final du live. Mais bien sûr, vous avez droit à la lumière, l'univers. Voilà la lumière sur vous. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir... Il est temps de vous dire bonsoir. Bonsoir Thierry Var. Bonsoir Su Chao. Bonsoir Kyle. Bonsoir Dramien le Renard. Il va même prendre un peu plus. Merci. Mais voilà, j'essaye pas de pousser. Je réponds toujours de manière totalement honnête. C'est-à-dire ce que je ferais moi avec un budget pas extensible. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Alexandre Gonetti, bientôt les vacances, ça va faire du bien. Charrette de la Contrie, merci mon jeu et dors plus. Oui, je vais essayer de dormir, j'en ai vraiment besoin. C'est vrai que j'ai pas dormi beaucoup cette nuit, vous l'avez vu, c'est clair, j'ai pas pu le cacher. Eldar 84, lumière sur toi et sur le chat, bonne soirée tout le monde. Alexandra Gonetti, bonsoir. Guillaume Leborn, bonsoir. Lorenzo 59, bonsoir. Raphaël Elef, bonsoir. John Day, bonsoir. Sœur Loisel, bonsoir. Tony, bonsoir. Bon jeu, merci. L'univers de Dimitri, je vais jouer juste, je vais enchaîner. Lord Fabius, bonsoir. Bonne game. Eh ben, j'y vais tout de suite, là. Bon, bah, trop tard. Bah, sous ciao. On sera là mercredi prochain. Mercredi prochain, on recommence. Squalerix, bonsoir. Merci à vous tous. Vous êtes géniaux. On se dit à la semaine prochaine, mercredi prochain. Retenez bien, parce que vous avez vu, ça a commencé plus tôt, 19h, 21h. On va essayer de faire ça, on va essayer de se tenir 19h à 21h. Bonne soirée tout le monde, merci encore, à la semaine prochaine, et jouez bien, portez-vous bien tous. Salut tout le monde!